Sa Majesté le Roi a tenu à exprimer au nom de toutes les forces vives nationales, toutes sensibilités confondues, le rejet ferme et déterminé du Maroc de ces provocations et de ces incursions inacceptables. Sa Majesté le Roi a tenu à préciser à M. Guterres que ces agissements constituent une menace au cessez-le-feu, qu'il viole le droit international et les résolutions de l'ONU, et qu'il compromet sérieusement le processus politique. Sa Majesté le Roi, dans son entretien avec le secrétaire général, a rappelé que dans ce différend régional qui dure depuis plus de 40 ans, l'Algérie a une responsabilité flagrante. C'est l'Algérie qui abrite, c'est l'Algérie qui arme, c'est l'Algérie qui soutient et qui apporte son soutien diplomatique au Polisario. De ce fait, le Maroc demande et a toujours demandé que l'Algérie puisse participer au processus politique, que l'Algérie puisse assumer une responsabilité pleine dans la recherche de la solution et que l'Algérie puisse jouer un rôle à la hauteur de sa responsabilité dans la genèse et l'évolution de ce différend régional.